Assalamu alaikum, heureux de vous retrouver pour une nouvelle traduction, donc la suite de Sheikh al-Jabal, donc le vieux de la montagne. La suite et la fin, donc avec l'aventure de Youssef qui se continue. Donc Youssef, la dernière fois qu'on avait traduit, la dernière fois, donc hier, on avait vu que il avait travaillé pour le vieux de la montagne, donc c'était un nain, Qazem. Donc il avait travaillé pour le nain, il lui avait donc moissonné tout le champ de blé, et ensuite il s'était occupé de traiter le blé et de le rendre en farine, d'en faire de la farine, puis après de lui faire du pain. Donc il y avait des milliers de miches de pain à la fin, donc il a travaillé pendant, je crois, enfin très longtemps, plusieurs jours, une année peut-être, enfin, il y avait beaucoup de jours. Donc l'aventure continue, donc, ici avec El-Ulbatu As-Sarirasu. El-Ulbatu As-Sarirasu. Donc l'Ulba, qu'est-ce que c'est l'Ulba? C'est une boîte. La houlba, c'est une boîte, ou parfois ça peut être aussi un petit paquet, donc un petit paquet en forme de boîte. La houlba, c'est une boîte. Sarira, donc l'adjectif petite, donc une petite boîte. La houlbatu sarirasu. Donc on commence. Wa arada al-shaykhu an yatadawwaqa al. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire, le Sheikh? Arada, arada, c'est vouloir, il a voulu. Le Sheikh, donc le vieux, en yatadawwaqa al-khubz. Donc, il voulait goûter, il voulait tester le pain, quoi. Il voulait goûter au pain. Liyatabayyana najaha Yusufa, pour liyatabayyana, pour constater Najaha, donc la réussite, le succès, Yusuf, Fima Ahida Ilayh. Donc le succès de Yusuf, Fima Ahida Ilayh, en ce qui lui avait été confié. Ahida Ilayh, c'est s'être vu confié. Fima Ahida Ilayh, en ce qu'il s'était vu confié, donc par le Sheikh, le vieux. Faltahama Ar-Rarifa. Donc, Feltehema, il a englouti, il a dévoré, il a englouti Rarifa, la première miche. Rarifa, l'awwala, première Rarif, miche. Il a englouti, Feltehema, il a englouti. La miche première, la première miche. War-Rarif al-Akhir et la miche dernière, et la dernière miche. Fa-Wajadahuma ala ma yashtahi wa yurid. Fa-Wajadahuma, il les a trouvés, donc les deux miches, Wajadahuma, Fa-Wajadahuma, il les a trouvés ala ma yashtahi, comme il le désirait, wayurid, et il le voulait, comme il le désirait, et il le voulait. Fawada'a yadahu 'ala khaddihi. Alors il a placé, wada'a, il a placé yadahu, sa main, 'ala khaddihi, sur sa joue, marratan, une fois, une première fois. Thumma, puis, 'ala Dhaqnihi, donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ala Dhaqnihi, ça veut dire il a placé encore. Wada'a yadahu, il a placé sa main. Ala Khaddihi marratan, donc sur sa joue une première fois. Thumma ala Dhaqnihi, donc une fois sur son menton, le menton. Marratan ukhra, une autre fois. ولبث وقتا قصيرا في تفكير عميق.
Et il est resté, labitha, il est resté, il a passé un petit moment, labitha, il s'est attardé, labitha aussi, s'attarder, rester, s'attarder, labitha, waqtan qasiran, donc un court moment, waqtan qasiran, un court moment, fi tafkirin amiq, dans une réflexion, tafkir, une réflexion amiq, profonde. Amiq, l'adjectif qui veut dire profond. Ici c'est au masculin, mais en français on va traduire par profonde. Amiq. Thumma l'tafata ila t'tifl. Puis il s'est retourné vers le l'tafata, donc on retient ça, c'est tourner la tête, se tourner vers ila t'tifl. Puis il s'est retourné vers le garçon, l'enfant. Qa'ilan, en disant. لا شك في أنك ولد كريم كريم النفس. Donc il n'y a pas de doute, la شك في, il n'y a pas de doute en ce que tu es, في أنك, il n'y a pas de doute en ce que tu es, ولد كريم النفس, un enfant كريم النفس, un enfant, un bon enfant en fait. Karim ou nefs, Karim, ça veut dire, ça peut vouloir dire noble, généreux, bon. Karim ou nefs, donc c'est-à-dire à l'âme généreuse, à l'âme noble, un bon garçon quoi. Azim ul himma, azim ul himma. Donc azim ul himma, c'est azim, donc c'est grand. Donc c'est toujours la même construction, Karim ou nefs. Des constructions idafa. Karimu nafs, grand dame. Azimu, grand encore, très grand. L'himma. L'himma, c'est la. Quand on sait ce qu'on veut, quand on. C'est ça, quand on sait ce qu'on veut, quand on est. C'est un peu comme résolu. C'est. Quand on sait ce qu'on veut, est-ce qu'il y a un mot, l'himma? Azim ul himma, ambitieux on pourrait dire, azim ul himma, c'est-à-dire avec c'est ça, avec une résolution, une azim ul himma, avec une résolution, avec, mais là on a résolution, donc je ne veux pas donner le même mot, mais c'est pratiquement des synonymes, azim ul himma. C'est-à-dire avec qui sait ce qu'il veut faire, qui sait ce qu'il veut, qui est ambitieux, qui est voilà, c'est ça que ça veut dire. عظيم الهمة ثابت العزيمة. ثابت العزيمة, c'est ici, c'est ثابت, donc ferme, ferme de résolution. عظيمة. L'azim, c'est la résolution ou bien la détermination. Voilà, on pourrait traduire ici l'himma par la résolution. Azim ul himma, donc qui a une grande résolution. Thabit ul azima, à la détermination ferme. Wa inni mukafi'uk. Wa inni mukafi'uk ala jiddika. بهذه العلبة العلبة الثمينة وإني et je suis مكافئك et je suis et je te suis reconnaissant et je te récompense et je te suis reconnaissant je te récompense وإني مكافئك donc être reconnaissant dans le sens de récompenser مكافئك على جدك pour ton effort, donc le jid c'est l'effort et c'est aussi le sérieux. Ala jiddika, donc pour ton sérieux. Bihadihi l'ulbati ithamina. Bihadihi l'ulbati ithamina. Donc je te remercie, je te récompense. Bihadihi l'ulbati ithamina. Avec cette boîte ithamina d'une grande valeur, précieuse. Donc d'une grande valeur ou précieuse. Bihadihi l'ulbati ithamina. ثم أخرج
Donc, c'est pas kharaja, c'est akhraja, c'est-à-dire qu'il fait sortir quelque chose. Thumma akhraja al-jinniyu. Donc, le génie a fait sortir min jaybihi, de sa poche, ulbatan sarira masnou'atan min al-khashab. Donc, il a fait sortir quoi? De sa poche, min jaybihi, ulbatan sarira, une petite boîte, donc, comme le titre du chapitre, masnou'atan min al-khashab. Masnoua, c'est-à-dire fabriqué. Minel khashab, fabriqué en bois. Masnouaten, minel khashab, fabriqué en bois. Fabriqué de bois ou en bois. Hiya ashbahu shay'in bi'ulbati as-sa'uti shaklan wa hajman. Bon, ça me fait rire parce que je sais ce qui vient après. Et j'ai trouvé ça drôle. Je m'y attendais pas en fait, hein, mais on voit quand même de l'humour chez l'auteur. Alors, min al-khashabi en bois, hiya ashbahu shay'in, hiya ashbahu, et c'est ce, hiya ashbahu shay'in, et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire hiya ashbahu, ça veut dire qu'elle ressemble shay'in bi'ulbati. C'est-à-dire, si elle ressemble à quelque chose, hiya ashbahu shay'in bi'ulbati, c'est-à-dire elle est très ressemblante aux boîtes à tabac, aux tabatières. Donc, ulbati, sa'outi, c'est les tabatières, shaklen, de forme, wa hajman, et en taille, en forme et en taille. Donc, elle est très ressemblante, hiya ashbahu shay'in bi'ulbati. Saout, Cheklen ou Hajmen. Donc, en forme et en taille. Hajmen, c'est la taille. Hajmen. La taille, le volume. Hajmen. Thumma a'tahu al-jinniyu tilka al-ulbata. Puis, donc il y a vraiment une cérémonie autour de cette boîte. Thumma a'tahu. Vous voyez comme l'auteur fait grandir cette cérémonie de récompense. Thumma atahu al-jinniyu tilka al-ulbata. Puis le génie, donc thumma, puis atahu, lui a donné, donc lui, il est ici, a donné, à qui donc? À lui, à Yusuf, atahu, al-jinniyu, le génie, tilka al-ulbata, cette boîte. وقال له مبتسما. Il lui a dit en souriant. وقال له مبتسما. Donc مبتسما en souriant. Voyez, à chaque fois qu'on a un complément circonstanciel de manière en arabe, donc on va appeler ça un adverbe de manière, à noter donc, il est mansoub. Donc il lui a dit, وقال له مبتسما. C'est pas مبتسمون ou bien مبتسمين, c'est مبتسما. Voilà, c'est pas un COD ou quoi, il lui a dit quoi, Moubtassimen, non, il lui a dit comment, Moubtassimen. Donc on pose la question comment, on trouve un complément circonstanciel de manière, on parle de manière, en français on va dire un complément circonstanciel de manière. Eh bien en arabe, ces adverbes de manière sont mansoub. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a fetha à la fin. Donc Moubtassimen, lui a dit Moubtassimen, iftah. Ça, c'est un impératif quand on donne un ordre. Donc, du verbe fataha, ouvrir, iftah. Quand on s'adresse à un garçon, un homme, on dit iftah, ouvre. Cette boîte, as-sarirata. Cette petite boîte, ouvre cette petite boîte. Iftah, iftah, iftah. Mata, donc il lui dit quand l'ouvrir, mata, quand. Raja'ta ila baytika. Quand tu rentreras chez toi. Raja'ta ila baytika. Raja'ta, tu retournes, tu rentres, ila baytik. Chez toi. Fa innaka wajidun. C'est ça. Wajidun fiha. Fa innaka wajidun fiha. Man lam tarahu fi hayatik. Fa innaka. Et alors tu. Wajidun. Tu y trouveras. On voit là que c'est un nom, wajid, mais un nom actif, en fait, un participe actif.
فإنك واجد tu y trouveras فيها le y tu y trouveras فيها donc dans la boîte ma lam tarahu ce que tu n'as pas vu fi hayatik donc ce que tu n'as jamais vu dans ta vie ma lam tarahu fi hayatik intriguant donc wada'u al-shaykh wada'u al-shaykh donc l'adieu le wada' c'est le l'adieu Sheikh, donc structure possessive ici. Donc l'adieu du Sheikh, du vieux. L'adieu du vieux. Wada'u, donc pas de alif ul-lam, on a ou ici. Et puis après alif ul-lam, deuxième terme de la idafa, Sheikhi, on a kasra. Wada'u Sheikhi. Walam yasha Yusuf. Et donc Yusuf n'a pas voulu, walam yasha Yusuf. Donc on retient comment ça s'écrit ici, lem, quand on a lem et le verbe yasha, et ben on a ici lem yasha, lem yasha. Wa lem yasha Yusuf. Donc il n'a pas voulu Yusuf en yudhira. Donc c'est le verbe adhara. Adhara ça veut dire montrer. Adhara. Comment on sait que c'est adhara et pas dahara ou quelque chose d'autre? C'est parce que la première lettre ici, c'est au présent donc, la première lettre c'est ou. La deuxième ici, après le sukun, la deuxième c'est. Donc la troisième on pourrait dire, parce que j'ai pas compté le sukun, mais ici c'est i, qu'est-ce que c'est là ? Et là ici on a a, bon on a a parce que c'est la terminaison, parce qu'il y a n devant. Lem yasha yusufu en yudhira. Il n'a pas voulu montrer. Lem yasha yusuf, il n'a pas voulu montrer yusuf. Li Sheikh al-Jabali au vieux de la montagne ihtiqarahu lihadiyatihi at-tahif atafaha as-saghira allati kafa'ahu biha kafa'ahu biha donc il n'a pas voulu montrer quoi donc au vieux de la montagne ihtiqarahu c'est son mépris, son mépris, sa haine, sa détestation. Son mépris, sa haine, sa détestation. Lihadiyatihi, donc c'est sa détestation de son cadeau. Tafiha, ça veut dire son cadeau tafih. Quand quelque chose est tafih, ça veut dire c'est rikiki, c'est minuscule, ça ressemble à rien. Donc ça qualifie là la boîte qu'il lui a offerte. Donc tafiha sarira petite donc rikiki insignifiant tafiha c'est insignifiant qui ressemble à rien sans valeur quoi. Sarira c'est petite allati kafa'ahu biha qui lui a donné en récompense. Lati kafa'ahu biha. Qui lui a donné en récompense. Li'anna, parce que, li'anna, donc ça c'est parce que, Yusufa. Donc quand on a anna, donc comme dans li'anna, donc c'est inna wa akhawatuha, li'anna parce que, on a après le mot après qui est mansoub. Et si c'est un nom, donc bon, là ça va, il est mansoub. كان مؤدبا لطيفا parce qu'il était pourquoi en fait il a pas montré son mépris sa détestation احتقارهو son mépris sa détestation du cadeau parce que il était لأن يوسف كان il était مؤدبا il était poli bien élevé مؤدبا c'est poli être مؤدب quand on dit d'un enfant مؤدب il est bien élevé il est poli لطيفا La Tifen, c'est il est bon, donc c'était un bon garçon, au bon cœur, bienveillant, gentil. Fala ajaba ida katama suhtahu. Fala ajaba ida katama suhtahu. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il a caché, dissimulé, katama. Donc fala ajaba ida. Il n'y a rien d'étonnant en ce qu'il ou à ce qu'il au fait il n'y a rien d'étonnant au fait qu'il ait dissimulé katama
dissimulé, caché. Surtahu. Surtahu, c'est la. Ça peut aller jusqu'au kourou, etc. Mais le plus souvent, la traduction la plus. Ici, en tout cas, dans ce contexte-là, surtahu, c'est son indignation. Surtahu, son indignation. Katama, donc il a caché, il a dissimulé. Surtahu, son indignation. Wakadama, ici on avait vu déjà ce verbe-là. Kadama, dans un hadith, avec le. On avait parlé du bâillement, donc qu'il fallait kadama. Donc il fallait refouler. Donc il a refoulé, qu'il fallait censurer, qu'il fallait contenir. Donc pour le bâillement, c'est bien contenir. Donc ici c'est pareil, contenir. Le bâillement c'était tethaoub. Tethaoub, le verbe, et tethaoub. Et on avait même trouvé un verbe dans un hadith qui était tethaoub. Au lieu de tethaoub, tethaoub. Donc là on a kadama, donc c'est le fait de contenir. Raïdahu. Raïdahu, c'est sa colère. Raïdahu. Son mécontentement, sa colère. Ketame, raïdahu. Wa akhfa anhu. Et il lui a caché donc. Wa akhfa anhu. Donc là, on a ketame, dissimulé, caché. Là, on a kadame, contenir. Et là, on a arfa, caché, anhu, lui caché, elemehu, finefsi. Donc, elemehu, il a caché quoi? Donc, c'est un complément d'objet ici, eleme, elemu, et ici c'est eleme, donc, fetha sur la dernière lettre, elemehu, donc, la douleur de qui? Parce que elem, c'est douleur, sa douleur, sa peine, sa souffrance, elem, sa douleur, finefsihi. En lui-même. Donc il a caché sa douleur en lui-même. Wa adhara, et qu'est-ce qu'il a montré? Donc on revient au verbe ici, yudhiru. Donc il n'a pas voulu montrer, mais qu'est-ce qu'il a montré alors? Wa adhara, et il a montré irtiyahahu. Irtiyahahu, c'est sa satisfaction. C'est-à-dire qu'il était satisfait. Irtiyahahu. Ila hadiyatihi, sa satisfaction de son cadeau. Wa a'lana lahu shukrahu 'alayha. Et lui a a'lana, il lui a dit, il lui a exprimé, il lui a annoncé. A'lana, donc c'est annoncé, on le voit assez dans les articles de presse, dans l'arabe des médias. A'lana, on le voit souvent, annoncé. Donc il lui a annoncé, il lui a exprimé lehu, donc donc lehu, au vieux, shukrahu alayha, donc son remerciement, alayha, donc pour la boîte. Fahayyahu sheikhul jabali, donc il l'a salué, fahayyahu, il a salué donc sheikhul jabali, le vieux de la montagne, il l'a salué. Thumma tarakahu ba'da an qahqaha da'hikan. Puis il l'a laissé. Thumma tarakahu ba'da an qahqaha da'hikan. Alors, puis il l'a laissé. Tarakahu ba'da an. Après qahqaha. Après quoi? Après s'être éclaté de rire. Qahqaha da'hikan. Après s'être éclaté de rire. Donc il le laisse et au moment de laisser, il s'éclate de rire. Le vieux s'éclate de rire. Duna an ya'rifa, donc ça sans qu'il sache, c'est le petit, il ne savait pas. Duna an ya'rifa at-tiflu sababan, sans que le petit tiflu, l'enfant, sache quoi? Sababan, la raison, sans qu'il ne connaisse une raison. La raison, lihadihi, sababa, lihadihi. D'accord, sababan, donc une raison, lihadihi, ad-dahkati el-aliya, pour ce rire
Dahka, donc c'est le rire. Dahka, l'aliya, pour ce rire fort. Pour cet éclat de rire, donc. Ce rire fort, on ne peut pas traduire comme ça en français, ça ressemble à rien. Donc, Dahka, c'est le rire. L'aliya, c'est fort, haut, et qui est très fort au niveau du son, du volume. L'aliya. ولم تنقضي لحظة واحدة حتى غاب عن ناظريه. Donc, ولم تنقضي, il ne s'était pas écoulé. ولم تنقضي, il ne s'était pas écoulé, il n'avait pas expiré لحظة, un moment, donc, un instant. لحظة, c'est un instant. واحدة, un seul instant, un seul moment. Donc, ne s'était pas à peine écoulé un moment, ne s'était écoulé qu'un moment, à peine, hatta. Encore une fois, hatta, quand on a tous ces trucs-là, ne s'était pas à peine écoulé un moment que, hatta, donc, qui traduit par que en français, hatta raba an nadireih, qui est traduit par que ici. Hein. Hatta, ça peut vouloir dire afin de, ou aussi jusqu'à. Ici, c'est que, dans ces constructions où on voit. Il ne s'était pas écoulé, ou dès que, hatta, voilà. Raba an nadirei. Il s'était, donc, il avait disparu de sa vue. Voilà. Donc, ici, on a Sa'out. Donc, Sa'out, qu'est-ce que c'est? C'est la, on avait vu la tabatière. Tabr, on peut dire tabr, ou bien tabar. Tabar, on peut ici mettre soukoun au milieu, ou bien fatha. C'est le tabac, le tabr, el mashouq, c'est en poudre. Voilà. Donc on arrive à la fin de Sheikh Al Jebel, qui s'est bien moqué de l'enfant. Là, il a fait travailler, il a fait galérer pendant presque un an. Il lui a remis une petite boîte qui ressemble à une tabatière, en lui disant tu ouvriras ça quand tu rentreras chez toi. Le petit, donc, il a caché son mécontentement. Voilà. Donc, la prochaine fois, après, donc, on va faire une petite série d'articles, de traductions d'articles des médias, Inch'Allah. Et puis, on reprendra ce livre pour le finir. Et j'aimerais bien faire encore... Il y a beaucoup de livres à faire. D'ailleurs, sur ce site-là, sur ce site qui est en lien, on le trouve en lien. Il y a beaucoup de livres, donc de qualité en PDF, et il y a plein d'histoires que j'ai envie de faire, et on le fera, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, on se retrouve bientôt pour sûrement un article des médias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.